là-bas, c'est déjà bon si on avait une machine de grande. Cinquième exposition de champignons organisée par la maison de village. L'automne s'installe et le temps de la cueillette des champignons bat son plein. Mais il faut toujours rester prudent. C'est pour cette raison que la maison de village organise des balades dans les bois en compagnie de personnes expérimentées. Bienvenue à tous. On ne vérifie pas, on fait confiance à tout le monde, mais je le rappelle comme ça. Bienvenue à Roly. C'est la cinquième année que nous faisons l'exposition de champignons des bois. Donc c'est la maison de village de Roly, donc c'est les villageois en fait. Hein. Ce sont les villageois qui vous accueillent. Bienvenue à Roly. Là, il va arriver. On va le rejoindre là en bas sur le chemin. Nous allons faire une promenade en montant dans le bois Jean-Mouton. Donc à certains moments, on va marcher un peu sur le chemin, vous découvrir un peu la grotte Notre-Dame, enfin un peu, voilà, plein de choses qui sont intéressantes sur Roly. Nous allons rentrer dans le bois. Et à certains moments, je vais vous expliquer un peu, je suis parti avec quelques champignons que nous avons déjà cueillis, comme bien sûr l'exposition, pour expliquer un peu le champignon en général. Et à côté de cela, vous aurez la possibilité, durant la promenade, de quitter les sentiers, les chemins, en ne vous écartant pas de trop, d'accord? Parce qu'il faut savoir que la législation au niveau des champignons, c'est quoi? C'est que lorsque l'on habite la commune de Philippeville, on a le droit d'aller dans les bois de la commune de Philippeville. Si j'habite Virouinval, je peux aller dans les bois de Virouinval. Si j'habite Serrefontaine, je peux aller dans les bois de Serrefontaine. Donc si un jour vous venez cueillir des champignons, que vous n'habitez pas l'entité, et que le garde vous dit « Où habitez-vous ?», vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à sortir du bois. D'accord? Donc ça c'est la législation, c'est une législation communale. Ce que je conseille toujours aussi, je vous montrerai, c'est de bien respecter les chasseurs. Je trouve qu'avec les chasseurs, quand on arrive à participer, je veux dire comme ça, en respectant de ne pas aller dans les bois 3-4 jours avant les chasses. Moi, je cueille des champignons depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de problème avec les chasseurs, parce que je respecte les chasses. Si vous allez la veille d'une chasse, ou si vous tombez dans une chasse, ça peut être très dangereux pour vous, mais aussi, si on arrive à respecter cela, il y a toujours une bonne entente. D'accord? La chasse doit exister, et le plaisir du champignon peut exister aussi. Et attends un petit peu, parce que il me semble. Attends, c'est peut-être pas lui. Attends, c'est un nom que j'ai en encore une. Attends, c'est pas le Suscoridroïdes. Zérampelina. C'est pour que les gens. C'est celle qui sent la crevette. Ça sent le poisson, oui. Attendez. Normalement, la réaction avec ça, la réaction à ça, ça va donner vert. Tu peux la voir? Ça va devenir vert. On est d'accord? On essaye. Hein? Attends un petit peu. Hein. Je sens le poisson, ça va la crevette. Ça veut dire, regarde. J'ai senti le poisson. Ça sent la marée, exactement. Le crustacé, la marée. Donc, changeons de nom. C'est Russula Zérampelina. On va voir ça autour. Buvons notre café pour liquider notre affaire de la table. Vous avez un fassuré. Voilà. Elle pique très fort. Il y en a une qui pique très fort. Non, c'est celle-là. Elle a déjà grandi, puis je l'ai cueillie. C'est pas un cyanoxanthe. Les lames sont herbacées. Oui, mais alors si c'est cyanoxanthe, c'est une herbacée. Bonjour ma copine. Alors c'est toi qui as cueilli tous ces beaux champignons? Oui, c'est tout ça, les mêmes. Est-ce qu'ils sont bons ou pas? Oh là là, ils sont magnifiques. Ils sont tous mortels. Tout petite quantité. Ils sont tous mortels. Vaut mieux pas. Pas mortels, mais c'est ça. Pas mortels. Ils sont 10.
c'est ça n'a pas d'intérêt culinaire. Ça, hein. ça, il y a des patates. Certainement pas ça. Stop, il y en a assez. Vous allez laisser par là, vous voulez, mais bon, il y en a assez. Les gars, ils sont comme ça, ils sont déjà plus bons. Non, c'est trop tard. Gracias.